ça, j'appelle ça, savez-vous comment? Non. Un monstre sacré. Un sacré monstre. Enfin, si vous voulez, un monstre sacré. Mais un monstre sacré. Et là, je le sens plus. Oui, remarquez, moi, quand je l'ai vu dans Phèdre, c'est-à-dire l'année dernière, on peut dire qu'elle avait complètement renoncé à la natation. Hein. Renoncer à la natation. Pourtant, Dieu sait si elle nageait bien. Oui, mais... Et ce style, non seulement elle nageait bien, mais elle nageait vite. Oui, mais... En 1927, dans le bassin d'Arcachon, eh bien, on aurait dit une torpille. Oui, mais l'année dernière, quand même, le théâtre, pour elle, c'était le bout du monde à son âge, vous saviez? À son âge, vous savez. Oui. Parce que dans la natation, malgré tout, il y a un facteur qui joue, n'est-ce pas? C'est l'eau. Non. Surtout dans une pièce comme Phèdre, où il n'y a pas de mise en scène. Quand ils ont besoin de la mer, par exemple, il y a, Hippolyte. On ne le voit pas courir avec, sur la place avec ses chevaux. On le voit au moment où il faut qu'il se casse la figure. Il ne se casse pas la tête. Ils vous le font tout bonnement un petit récit. Et puis on n'en parle plus. Et puis on n'en parle plus. Vous pensez, c'est bien plus commode. Ah non, ce n'est pas comme. Du tout, du tout. Non. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, l'année dernière, dans Phèdre, eh bien, elle avait dans les... 88 ans. Oui, bien oui. Sûr. Oui, bien, je vous jure que... Oh, un monstre sacré. Un sacré monstre. Enfin, si vous voulez, un monstre sacré. Vous voulez, mais un monstre sacré. Et... Là, je le sens plus. Remarquez, moi, quand je l'ai vu dans Phèdre, c'est-à-dire l'année dernière, on peut dire qu'elle avait complètement renoncé à la natation. Complètement renoncé à la natation. Pourtant, Dieu sait si elle nageait bien. Oui, mais... Oui, mais ce style, et non seulement elle nageait bien, mais elle nageait vite. Oui, mais... En 1927, dans le bassin d'Arcachon, eh bien, on aurait dit une torpille. Oui, mais l'année dernière, quand même, le théâtre, pour elle, c'était le bout du monde à son âge, vous saviez? À son âge, vous savez, oui. Parce que dans la natation, malgré tout, il y a un facteur qui joue. N'est-ce pas? C'est l'eau. C'est l'eau. Oui, au théâtre, il n'y a pas d'eau. Non. Surtout dans une pièce comme Phèdre, où il n'y a pas de mise en scène, quand ils ont besoin de la mer, par exemple, eh bien, Hippolyte, on ne le voit pas courir sur la place avec ses chevaux. Au moment où ils vont font qu'ils se cassent la figure, ils ne se cassent pas la tête, ils vous font tout bonnement un petit récit, et puis on n'en parle plus. Font tout bonnement un petit récit, et puis on n'en parle plus. Vous pensez, c'est bien plus commode. Alors, ce n'est pas comme du tout, du tout, du tout. Du tout. Non, mais qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, l'année dernière, dans
Phèdre, eh bien, elle avait dans les 7 80 victoires. Oui, bien sûr. Oui, bien, je vous jure que elle n'est pas restée. Elle ne l'est plus. Si tout aurait pu les comparer, tous les 88, tellement on les voyait. Et même 4 ou 5 ans. Bon, attends. De plus, qui sait. Je lis un message que Eddie m'a envoyé. Alors, il dit bonjour, ok, ben bonjour, ok. C'est vraiment nu ce que tu fais. Alors, c'est marrant parce que, déjà, je précise que je me suis inscrit au théâtre et je continue. Il y a les gens qui me disent, c'est super ce que je fais. Et là, c'est la première fois que quelqu'un me dit que c'est nul. Après, on n'aime pas. Mais en tout cas, je continue parce que je suis inscrit au théâtre. Alors, je précise ce que, voilà. Il faut que je répète, parce que ce soir, j'ai théâtre, et il faut que j'apprenne par cœur. Voilà. Donc, j'essaye aussi de me faire remarquer. Donc, et c'est pas la première fois que Eddie me dit que c'est nul, parce que en danse, c'est nul, le théâtre, c'est nul, et en fait, tout est nul, ce que je fais. En fait, tout est nul avec toi. Mais de toute façon, j'ai pas le choix. Attends. Voilà. Ok. Attends. De toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je répète mon théâtre. Ah, il y a Julien Tiffer là, il y a du monde là. Bon, je répète tout à l'heure. De toute façon, j'ai pas le choix. Ce soir, j'ai théâtre. Alors, toute façon, j'ai pas le choix de répéter mon théâtre. De répéter mon théâtre. Pour ce soir. De toute façon, j'ai pas le choix de répéter mon théâtre pour ce soir. Putain, il est quelle heure, merde. Alors, je n'avais pas terminé. Il faut que je répète. Était glissé dans le tas pour faire nombre. Mais alors, quelle présence, vous pensez?
déjà à 15 ans, elle avait de la présence. À 4 ans. Vous pensez ce que ça peut faire? On ne croyait, elle croyait à tout, globalement sans distinction. Il faut dire aussi qu'en 1900, elle était déjà du CLT en 1955. Oui, elle buvait. Je l'ai vue l'année dernière encore dans Fed. Moi, une femme comme ça, j'appelle ça, savez-vous comment? Un monstre sacré. Un sacré monstre. Si vous voulez, un monstre sacré. Remarquez, moi, quand je l'ai vu dans Phèdre, c'est-à-dire l'année dernière, on peut dire qu'elle avait complètement renoncé à la natation. Hein. Renoncé à la natation. Pourtant, Dieu sait si elle nageait bien. Oui, mais ce style, non seulement elle nageait bien, mais elle nageait vite. Oui. Oui, mais oui. L'année dernière, quand même, le théâtre, pour elle, c'était le beau du monde. À son âge, vous savez. Parce que dans la natation, malgré tout, il y a un facteur qui joue, n'est-ce pas? C'est l'eau. Non. Surtout dans une pièce comme Phèdre où il n'y a pas de mise en scène, quand ils ont besoin dans la mer, par exemple, eh bien, Hippolyte, on ne le voit pas courir sur la place avec ses chevaux. Au moment où il faut qu'il se casse la figure, et non, il ne se casse pas la tête, ils vous font tout bonnement un petit récit, et puis on n'en parle plus. Un petit récit. Et puis on en parle plus. Vous pensez, c'est bien plus commode. Ah non, ce n'est pas comme. Ce n'est pas comme du tout. Du tout. Non. Non, mais. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui. L'année dernière, mon frère, elle avait dans les 88 ans. Oui, bien sûr. Oui, bien, je vous jure que elle ne paraissait pas. Elle ne l'est. Si tout aurait pu les comparer, tous les 88, tellement on les voyait. Même 4 ou 5 ans de plus qui s'étaient glissés dans le tas pour faire. Elle était déjà plus qu'elle était en 1855. Oui, elle buvait. Can a people sing like they do? Can I know? Can I not just get you like you do? Can I not be sting like it too? Thank you.
Je l'ai vu l'année dernière encore dans Fait. Moi, une femme comme ça, j'appelle ça, savez-vous comment? Une femme comme ça, j'appelle ça, savez-vous comment? Un monstre sacré. Un sacré monstre. Enfin, si vous voulez, un monstre sacré. Mais un monstre sacré. Remarquez, moi, quand je l'ai vue dans Fed, c'est-à-dire l'année dernière, on peut dire qu'elle avait complètement renoncé à la natation. Hein. Elle avait complètement renoncé à la natation. Pourtant, je sais si elle est bien. Oui, mais... Ce style, et non seulement elle nageait bien, mais elle nageait vite. Oui. Oui, mais... En 1927, quand on passe en Arcachon, eh bien, on aurait dit une torpille. Oui, mais l'année dernière, quand même, le théâtre, pour elle, c'était le bout du monde à son âge, mes amis. C'était le bout du monde. À son âge, vous savez, oui. Parce que dans la natation, malgré tout, il y a un facteur qui joue. N'est-ce pas? C'est l'eau. Non, surtout dans une pièce comme Fait, où il n'y a pas de mise en scène, quand ils ont besoin de la mer, par exemple, eh bien, Hippolyte, on ne le voit pas courir sur la plage avec ses chevaux. Au moment où il vous faut qu'ils se cassent la figure, non, ils ne se cassent pas la tête, ils vous font tout bonnement un petit récit, et puis on n'en parle plus. Qu'ils se cassent la figure. Non, ils ne cassent pas la tête. Ils vous font tout bonnement un petit récit. Et puis, on n'en parle plus. Vous pensez, c'est bien plus commode. Ah non, ce n'est pas comme... Pas comme du tout. Du tout, du tout. Du tout, du tout. Non, mais... Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, l'année dernière, dans Phèdre, eh bien, elle avait dans les 87-88 ans. Oui, bien sûr. Oui, bien, je vous jure que elle ne paraissait pas. Elle ne l'est. Si tout aurait pu les comparer, tous les 88, tellement on les voyait. Et même 4 ou 5 ans de plus qui s'étaient glissés dans le tas pour faire nombre. Et alors, quelle présence, vous pensez? Mon enfant nu sur les galets. Voilà tes cheveux défaits. Comme un printemps sur mon trajet. Un diamant tombé d'un coffret. Oh yeah. Do it up to me. Do it up to me, the sky you love. Do it up to sky. Do it up to love, the sky you love. Oh, to sky. Give it up to me. Give it up to me, the sky you love. Give it up to sky. Give it up to love, the sky you love. Oh, baby. Give it up to me.
Do it up to me to sky your love. Do it up to sky. Do me not the sky, you'll be your eye. Oh, be sky. Do me not to me. Do me not to me the sky, your love. Do me not the sky. Do me not the sky, your love. Do I love you. On a fondu sur les cœurs. Voilà tes cheveux défaits. Quand ma voix danse mon trajet. Un diamant tombé d'un coffret. Oh yeah. Quoi que tu fasses. L'amour est partout, tu regardes. Oh yeah. Dans le noir au coin de l'espace. Dans le marais, tu t'attends. Oh yeah. L'amour comme si on pleuvait. Hey. Dans le coin, de l'espace. En fait, tout est de toute façon, j'ai pas le choix de répéter mon théâtre en plus. Putain, j'ai pas fait mon truc que. En fait, je peux pas trop. Je ne vais pas le faire parce que sinon, si je me casse la jambe là, je craque. On n'a pas fini encore. Dans Bérénice, elle était extraordinaire. Je l'ai vue vers 1900, mais je m'en souviendrai toujours. Elle avait une façon de s'amuser, vous savez, comme ça. Ouf, c'était Bérénice. Et pourtant, moi je connais bien Bérénice. Ça aurait dû me choquer d'avoir arrivé comme elle arrivait, en costume de golf, avec un chapeau moulant, et le visage tout noir. Et ça, j'étais Bérénice. Elle avait du charme. Elle avait du charme. Oh, vous pensez, à l'époque, elle avait dans les 70 ans. Et à 18 ans déjà, elle était laide comme un pou. Comme un pou, voulez-vous dire? Je ne sais plus. Comme un pou. Mais un peu de quoi? Un peu de fromage, peut-être. Et le fromage là, vous m'en avez trop. Mais alors, Bérénice, c'était une Bérénice. Justement, vous allez aller chercher ces trucs. Je la vois encore. Elle faisait son entrée comme ça, en marchant. En marchant? En marchant. Oui. Comme ça. Tenez. Le pied gauche par terre, elle levait le pied droit et hop, elle le posait devant le pied gauche. Et à ce moment-là, quick, au lieu de continuer à se servir de son pied droit, n'est-ce pas? Comme si elle attendait, puisqu'elle avait commencé à remuer celui-là, il n'y avait pas de raison pour qu'elle change. Eh bien, elle laissait son pied droit par terre et sioup, voilà son pied gauche qui s'envole. Et alors, au moment où on se dit, tiens, elle a changé de pied. C'est le pied gauche qui est important et qui va tout faire. Ah, elle vous le repousse tout bonnement par terre. Comme oui. Si vous ne l'intéressez plus. On voit qu'elle pense. Oui, bonjour. Oui. Et voilà, sur le moment de prendre un monsieur, je suis capable de recenser à tous les conditions de la stage. On a envoyé une question française avec votre structure de l'électricité. Voilà, vous avez bien reçu le cas? Non. Vous pouvez éviter la monotonie. Non, mais. Je ne vais pas lui répondre. C'est tout le temps comme ça. Là, je répète mon théâtre. Comme un théâtre. Oui, je fais du théâtre. Alors,
À Paris, vous êtes d'où? Non, on n'est pas de la PA, de votre bagage. Vous êtes d'où? Notre tête de pied dans la bande, et la parole, vous avez ici. Voilà, je suis en train de faire mon théâtre et je suis en train de répéter. C'était encore mieux. Suffoqué? C'est-à-dire, l'année dernière, on peut dire qu'elle avait complètement renoncé à la natation. Hein. Ouais. Complètement renoncé à la natation. Pourtant, Dieu sait si elle nageait. Oui, mais... Oui, mais ce style, non seulement elle nageait bien, mais elle nageait vite. Oui. Mais oui. L'année dernière, encore dans Fès, le théâtre, pour elle, c'était le bout du monde. À son âge, vous saviez? Vous savez, oui. Parce que dans la natation, malgré tout, il y a un facteur qui joue, n'est-ce pas? C'est l'eau. Oui, au théâtre, il n'y a pas d'eau. Oui, non, surtout dans une pièce comme Phèdre, où il n'y a pas de mise en scène, quand ils ont besoin de la mer, par exemple, et bien Hippolyte, on ne voit pas courir sur la place avec ses chevaux. Le, voilà,
au moment où il faut qu'il se casse la figure, non, il ne se casse pas la tête. Il vous faut tout bonnement un petit récit. Et pour n'en parler plus. Il ne casse pas la tête. Il vous faut tout bonnement un petit récit. Et puis, on n'en parle plus. Vous pensez, c'est bien plus commode. Ah non, ce n'est pas comme... Du tout. Non, mais... Qu'est-ce que je disais déjà? Bon, allez, on fait un dernier truc, genre, je sais pas quoi, une danse. Après, je fais un dernier, et puis après, j'arrête. To be a to me. To be a to me, the sky of love. To be a to sky. To be a to sky of love. You are I love. To be a to me. To be that to me, the sky you love. To be that to sky. To be that to sky you love. You are winner. To be that to me. To be that to me, the sky you love. To be not the sky, to be not the sky, your lover, you are with me. To be not the sky. La vie de quotidien des grands commerces par le morceau et sa famille, mais aussi des moins grands, lorsque Louise. Le petit lever après la visite du premier médecin et du premier chirurgien. Le paraître. Mais alors, Bérénice, c'était une Bérénice. On se demande où elle allait chercher ses trucs. Je la vois encore. Et comme ça jusqu'à ce qu'elle soit arrivée au milieu de la scène.
jamais le même type de fois dessus. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Sauf une fois. Pour éviter la monotonie, où elle utilisait le même pied trois fois de suite. Tim, titim, titim. Vous pensez rien que ça, le pic à la fin. Il était tendu comme une arbalète. Mince. Alors là, vous comprenez, elle prenait tout son temps. Elle remontait sa culotte de golf, se mouchait, ça aurait pu durer des heures. Ah bah ça, c'est le suspense. Qu'est-ce que vous voulez? Et alors, quand il y avait déjà la moitié de la salle qui avait fichu le camp, croyant que c'était fini, voilà son silence qui grossit. Elle ne bouge plus d'un poil. Ça devient une pesanteur qu'on aurait dit un orage. Et crac, la voilà qui parle. Ah mince. Mince. Ah, alors là, c'était trop bon. La façon comme elle parlait. C'était encore mieux? Oh, c'est que ses effets, elle savait les gratter, toujours de plus en plus fort. Elle ne vous lâchait pas, tendue comme une arbalète, on était. On ne la pouvait plus. Et bien, la seconde d'après, c'était plus comme une arbalète, on était pas. C'était comme une catapulte. Mince! Mince! Écoutez, moi je connais les choses. À l'époque même, je peux dire que c'était sur le bout du doigt que je la savais par cœur, Grace. Eh bien, croyez-moi, si vous voulez, je me reconnaissais. Elle avait une façon de vous servir ça. On n'aurait plus dit la même chose. C'était tout neuf, comme si ça venait de sortir de la bouche de Racine. Tenez, sa première tirade, Grace, en Montréal, juste après ce silence énorme, où elle se couchait et tout. Alors, c'est si bien ça, je suis suffoquée. Suffoquée? Oui. Elle tapotait d'abord, une ou deux fois son partenaire sur le bois, comme ça. Et puis elle disait, sans intonation, comme ça, mince. Attendez, elle disait, ah, tu dors, Brutus? Bah, pourquoi elle disait ça? Oui, ça sûrement. Il devrait même dormir profondément, Brutus, ce soir-là. Et si on jouerait Bérénice? Ce soir-là, si on jouait Bérénice. Ah, mais je vous l'ai dit, vous ne le reconnaissez plus. Attendez, je vous souviens. Ah, et comme Brutus, elle faisait, elle se penchait sur lui, elle avait une expression d'angoisse sans soumettre. Vous savez, comme ça, et elle disait. Oui, c'est ta galère, non. C'est ton roi qui t'éveille. Mince. Hein? Pourtant, elle savait bien que ce n'était pas vrai. Non, elle était vraiment dans la peau de son personnage. Elle y croyait. Oh, c'est beau ça. Elle mélangeait tout, mais elle y croyait. Elle croyait à tout, vraiment sans distinction. Faut dire aussi qu'en 1900, elle n'était déjà plus qu'elle était en 155. Oui, elle buvait. Oh, il n'y avait pas que ça. Mais quelle actrice! Je l'ai vue l'année dernière encore dans Fame. Moi, une femme comme ça, j'appelle ça, savez-vous comment? Moi, une femme comme ça, j'appelle ça, savez-vous comment? Oh. Un monstre sacré. Un sacré monstre. Enfin, si vous voulez. Un monstre sacré. Mais un monstre sacré. Et là, je le sens plus. Oui, remarquez-moi quand je l'ai vu dans Phèdre, c'est-à-dire l'année dernière, on peut dire qu'elle avait complètement renoncé à la natation. Hein? Renoncé à la natation. Pourtant, je sais si elle est bien. Oui, mais... Oui. En 1927, dans la Saint-Arcachon, eh bien, on aurait dit une torpille. Oui. Oui, mais l'année dernière, quand même, le théâtre, pour elle, c'était le bout du monde. À son âge, vous saviez? À son âge, vous le savez. Oui. Parce que dans la natation, malgré tout, il y a un facteur qui joue, n'est-ce pas? C'est l'eau. L'eau,
Non. Surtout dans une pièce comme Phèdre, où il n'y a pas de mise en scène, quand ils ont besoin de la mer, par exemple, eh bien, Hippolyte, on ne le voit pas se casser la figure, courir, oh là là, avec ses chevaux. Mais au moment où il faut qu'il se casse la figure, il ne se casse pas la tête. Ils vont font tout bonnement un petit récit. Et on n'en parle plus. Ah non, ce n'est pas comme du tout. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, l'année dernière, donc Phèdre, eh bien, elle avait dans les 87-88 ans. Oui, bien sûr. Oui, bien, je vous jure que elle ne paraissait pas. Elle ne l'est. Si tout aurait dû les comparer, tous les 88, tellement on les voyait. Et même 4 ou 5 ans de plus qui s'étaient glissés dans le tas pour faire nombre. Mais alors, quelle présence? Vous pensez déjà à 15 ans, quelle est la présence? Vous pensez ce que ça peut faire? On ne peut plus appeler ça de la présence. Ça devient de l'assistance. Ce qu'elle a en main de là. Écoutez, je n'ai jamais employé ce mot-là. À propos de personne, mais dans Phèdre, je l'ai trouvé. Ah oui, il n'y a pas de doute. Je l'ai trouvé fou.